Hein? N'est pas plus vrai avec. Qu'est-ce que tu as gâté? Son épouse. Vous n'êtes pas encore appelé. Son épouse. Hein? Son étude. Tu as gâté ses études. Ouais. Le stade. Ouais. Son étude comment? Ouais. Non, je vous dis que vous avez gâté votre étude. Ouais. Expliquez comment vous avez gâté. Try to be more explicit. Non, vous n'expliquez pas. Comment vous avez gâté l'étude? How did you destroy it? C'est gâté quelque part parce que vous, ça ne marche pas. Comment vous avez gâté ça? L'autre, vous avez dit qu'il voulait manger, vous avez mis le poison dedans, il a mangé, il est mort. Ouais. Comment elle, vous avez gâté cette étude? Hein, vous avez acheté un big boulot doré. Ouais. Hein? C'est fini. Donc ça a enlevé l'envie d'aller à l'école. Voilà. Ah. Tout ça, c'est important de comprendre tout ça. La deuxième personne. The second person. Gâté tous vos enfants. Hein? Oui. Tous les enfants ont été gâtés. So you have destroyed the lives of all your children. Elle est rescapée quand même. Les gens, donne-moi le nom de tous les gâtés. So give the name. Parce qu'on aura besoin de ça. C'est le nom. Pour les délivrer. Because we need it. On a besoin de les délivrer. So that we can be delivered. N'ayez pas peur de donner les noms. Don't be afraid. Hein? Non. D'accord. La chose dont tu as parlé. Ah oui. On commence, on finit. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. A commencé, tu as fini. So you have to. Oh, c'est la pratique qui les dérange. Oh, les gars, get them. What disturbs them? Il n'a pas de nom. And I also destroyed the studies of a kid. Le vieux, pour pouvoir gagner en temps, il faut parler. Donc, parle bien. Pourquoi qu'on arrive ça si ce sujet maintenant, tu commences à babicher? Toi, tu as gardé, non, tu ne peux plus réparer, non? Comment t'as dit arranger ça? You have destroyed. You can no more repair. Oui, tu peux. Non. Nous, on va t'aider à réparer. Vous êtes spécialisé en gâté. Gâtage, là, vous gâtez. Vous n'avez pas rendu. Specialité est destroyed. Bon. Non, laisse appeler. Tu es gâté. Oh, ça, là, ça les dérange. Ça brise leurs pattes. Ça détruit leur pouvoir. Le gars est vivant, il va dire qu'il a gâté ça. Oui, c'est un peu plus de and they have ability to destroy their lives. Où sont ces enfants, venez, les enfants du vieux. C'est le temps, on va gagner en temps. All the children, please, come here. All the children. La conscience, il va La cosilla si va, la cosilla si va, si va, yeah, la cosilla si va. Oh, yeah.
te prie fort. J'étais malade, je suis allé voir les marabouts. Yeah. Ils m'ont dit que si Dieu le fait, je n'ai pas été guéri. C'est quand j'ai accepté Jésus, yeah, Jésus flot m'a délivré. On est plus fort que les anges. On est plus fort. On est plus fort que les anges. What did you destroy in your life? Comment s'appelle celle-là? Her name? Vivian. What did you destroy in your life? Bon. Qu'est-ce que vous avez gâté? What? Son commerce. Oui. Comment? It's great. Oui, mais vous avez fait quoi pour gâter ce commerce? What did you do to destroy it? Vous avez donné de l'argent. Vous n'expliquez pas comment vous avez gâté. Donc, you do not explain. Ah, d'accord, tu lui as donné l'argent pour aller faire le commerce. Oui. Si, c'est ça? Oui.
With my trade, with my commerce. Any bouleur allait attaquer boutique, c'est toi qui faisais ça. Every day we had peace. Un esprit. Tu allais quoi? I go with some of my friends. En fait, quoi, vous êtes allé en esprit. Expliquez-nous ce mystère-là. Vous avez inspiré les voleurs. We have inspired some thieves. La boutique. Thieves. And they went. Eliela konima matutu kaka. Ross. Romo ayao. Hey. Nyomu suyonima matutu kaka. Romo ayao. Eliela konima je matutu kaka. Romo ayao. So that she cannot get married. What did you do? Mais oui, justement pour expliquer. I want you to be more specific. Dilinawari,
Just come to understand this very grandement, ma praise. Dieu écoute-moi, il suit mes larmes, c'est trop fort. D'apprendre que celui qui m'a engendré, mon père, qui m'a mis au monde, là, qui est à la base de mes malheurs. The one who has given me birth. Dilinaweli, okamo wazile, nako dilinaweli, yeah. Dilinaweli, yeah, okamo wazile, nako
Destroy her wedding. Non, qu'est-ce que vous avez gâté? Pas qu'est-ce que vous avez. Did you destroy the love? Non. Non, qu'est-ce que vous avez gâté? Vous n'expliquez pas correctement. The second cycle. Vous devez acheter un livre, oui. I bought him a book. Pour les études. For his studies. Je vous ai gâté le livre. Donc il a utilisé le livre. Ça a détruit ses études. Et elle, son travail. Vous avez gâté son travail. And what about her? You have destroyed her job. Elle est secrétaire de la secrétaire. She was secretary. Que tu as gâté. C'est lui. And I destroyed her life. Je ne dis pas où il est. On n'avance pas. Qu'est-ce que tu as gâté? Oh, ayo, ayo,
Qu'est-ce que tu as gardé là-bas? What did you destroy in there? Tu as mis quoi là-bas comme pouvoir? Il y a quoi? Dis-moi. Je n'ai pas. Nothing. Je n'ai rien gardé là-bas. Vous dites quoi? Je n'ai rien gardé là-bas. Vous n'avez pas gardé des choses? Non. Votre pouvoir là, c'est où? Non, pas gardé. Qu'est-ce que vous détenez comme pouvoir? What did you get as Oui, mais c'est que j'ai gardé quelque part. Non. Bon, c'est en vous. Oui. Quand vous voulez prendre ça, vous détruisez les gens. Oui. C'est comme ça. Je n'ai quitté somewhere. C'est une chose à vérifier. On va vérifier ça. Tu n'as rien chez vous. Non. Ah, vous dites non. Ça va sortir. D'accord. Je vais prendre ça et vous montrer. D'accord. Je vais vous montrer. Parlez, je dis, vous libérez. Les enfants, là, ils ont sorcellerie. Enlevez-les devant moi. On va les soigner après. Ils sont là, mais ils ont ça. Ah, ok, ok. Donc, je vais vous lever. On y va. I have destroyed my job and I didn't want her to get married. Oui, donc vous libérez son travail, son mariage, release what I've destroyed in your life. Thank you.
The one who gave the conditions, the destroyer's eye. You have destroyed his life. Yes, sir. And I want him to succeed. Now. I destroyed his goal, and I want him to succeed now. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu le bac.